Je m'appelle Florence Lompré, je suis très curieuse de nature. Je m'appelle Louis-Jean Cormier, je ne sais pas à quoi m'attendre du tout. Mon nom est Guy Lepage, j'avais envie de retrouver les gens qui ont, je dirais, qui ont soigné mon fils. Je suis Marianne Saint-Gelais, on est en escale parce qu'on se dirige vers Salut 8. Fait qu'on est partis les petits gars, come on! Come on! J'ai participé à 3 Jeux olympiques. Quand on me propose quelque chose, puis tout de suite, j'ai un sentiment de stress qui s'empare de moi. Je me dis, c'est là que je fonce. Salut, baby! C'est quand même spécial et particulier de faire 8 heures de voyagement, mais de toujours rester dans la même province. Je savais que ça allait être une expérience complètement différente de ce que j'avais pu vivre dans le passé. Allô! Salut, salut! Ça va bien? Oui! Je m'appelle Véronique Bonin, je suis infirmière clinicienne. Je travaille pour le Centre de santé Inulitvik dans le nord du Québec. J'ai obtenu mon bac, puis après ça, je suis partie pour un stage à l'île Maurice. Puis ça, ça a marqué le début de la grande aventure et de mon impossibilité à rester à la même place pendant longtemps. Ici, à Saluit, je suis présente de façon régulière pour contribuer à répondre à l'éclosion de tuberculose qui sévit ici. Comment ça va? On a-tu le droit de me donner des becs? Pourquoi pas? Je sais pas comment ça marche. Je m'appelle Isabelle Grondin. Je travaille présentement aux soins intensifs pédiatriques au CHUL. Faut carburer au défi pour travailler en soins critiques. Tu es officiellement stagiaire d'un jour. Oh. Quand ça va pas bien, puis que c'est grave, puis que c'est en danger de vie, de mort, ben on vient chez nous. Je veux que tu saches que je vais m'appliquer. OK. Vraiment m'appliquer. Wow! Okay. Qu'est-ce que si je suis bon? C'est sûr que là, tu me dis soins pédiatriques, ça vient toucher vraiment une petite corde, là. Enchantée de te rencontrer. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. Je m'appelle Martine Superval. Je travaille en psychiatrie, ce qu'on appelle aussi la santé mentale, à l'hôpital Notre-Dame. Déjà un obstacle. Okay. Ça marche-tu, ça? C'est parfait. Je suis une stagiaire! Il y a de cela longtemps, j'ai fait un stage en santé mentale, mais comme préposée aux bénéficiaires. Déjà, ce milieu-là m'intéresse énormément. Puis ma sœur est infirmière aussi. Salut, allô, Nadine. Guilla. Comment ça va? Bien, toi? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, je vais voir Guilla Lepage. Oui, c'est lui qui va être mon stagiaire. Je m'appelle Nadine Mollien, j'ai 31 ans. Je travaille à Sainte-Justine comme assistante infirmière-chef. Je suis tombée en amour avec le personnel, la chimie qu'ils avaient, les enfants, les cas qu'on avait aussi. Bienvenue à Sainte-Justine. Oui, merci. À l'unité pédiatrique. Oui, je connais. Quand je m'en venais tout à l'heure, j'étais quand même dans un état d'introspection, disons. Il va peut-être ressentir des émotions qu'il a déjà eues, d'inquiétude ou avoir un flashback parce que son enfant est hospitalisé à 2 reprises. Sur notre unité, t'es stagiaire? D'un jour. Est-ce que t'es prêt? Oui, parce que tu me voudras pas la deuxième journée. T'es sûr? Je pense pas. J'aime les défis. Dans les derniers mois, il y a eu une recrudescence des ours polaires. Puis là, on fait vraiment attention, donc on est comme un peu confinés dans la ville. Ouais, ouais, ouais. Mais on va garder un œil sur toi. Ça va bien aller. Je suis pas inquiète, sinon ben, je cours bien vite. OK, eux aussi. Je me dis, OK, dans quoi j'ai embarqué? Premier coup d'œil est vraiment intéressant, fait que... La suite risque de l'être aussi. Ouais. Alors, on a bien hâte, mais je vais m'habiller plus chaudement que oui. Ça! Parce que là, j'ai un peu froid! Alors, je t'offre une petite pochette en velours dans laquelle il y a... Un pic de guitare! En forme de cœur. En forme de cœur. Il y a une chanson que j'ai faite sur la maladie infantile, d'ailleurs, qui s'appelle Un monstre. Il y a quelques petites notes de la chanson Un monstre qui vont me tourner dans la tête. Là, je veux que tu prennes ton cœur. Tu le mets dans ta poche. Ah, okay? Je comprends. Donc, parce que là, on sinon, met un petit peu notre émotion... De côté. Mais je pense que c'est comme une qualité pour mon travail, parce que sinon, tu te fais manger, là, je veux dire, tu... Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas de cœur, là. On les aime full, là, nos bébés puis nos enfants, là, puis je m'en occupe comme si c'était les miens, là. On s'en va sur une unité active de santé mentale. J'espère que tu vas garder un esprit ouvert. C'est très important que tu gardes ton sang-froid. OK. OK? Oui. Et pour t'aider, je t'ai amené du sang-froid. En fait, c'est un ice pack. En santé mentale et en psychiatrie, les choses peuvent passer de 0 à 100 en 2,5 secondes. Ça me fait pas peur pour moi.
Mais quand même, je suis quelqu'un d'assez maladroite. J'espère que je ferai pas de gaffe monumentale. J'ai une petite carte pour toi, avec un petit chocolat. Parce qu'avec les parents qu'on rencontre, c'est leur manière de nous montrer leur reconnaissance. J'ai passé 2 séjours à l'hôpital avec mon fils Thomas. J'ai vu des infirmières et des infirmiers travailler 24 heures sur 24 parce que j'ai pas quitté l'hôpital. Je dois tellement à cet hôpital-là. Ça me fait très plaisir d'être ici. Comme ils ont sauvé la vie de mon fils 2 fois, disons-le, ainsi que la vie de tant d'autres. C'est pour ça que je participe. J'espère que cette journée te soit agréable. Bon stage, ta mentor, Nadine. Oui. Est-ce qu'on va se bourrer dans le chocolat? Pour un peu d'énergie. On va en avoir besoin. Ah oui, surtout toi. Ça m'encourage. Allons-y. Allons-y. Oh, wow, c'est bien beau! Fait que là, moi, je peux pas aller me promener sur la roche là-bas, tu me dis, hein? J'ai vraiment adoré le premier coup d'œil que j'ai eu sur Salut, honnêtement. C'était tellement... Moi, ça m'a coupé le souffle. Tu sais, je veux dire, j'irais... Aïe, on est là, là. C'est le centre de santé de Salut. C'est ici que je travaille. Je sais pas si tu veux fermer tes yeux, si t'as une surprise ou pas. Mon Dieu, c'est un ours polaire. No way! Hey, c'est vraiment cool, mon Dieu, merci beaucoup! Ça me donne vraiment un beau souvenir. Je vais porter avec fierté. Bienvenue à la clinique de tuberculose. Super. Je pense que Marianne est là. Ce petit brin de folie qu'il faut pour être au nord. Aujourd'hui, t'es ma stagiaire. Je suis Marianne, la stagiaire. Voilà. Je suis excitée. J'ai hâte de voir comment que la journée va se dérouler. J'étais intrigué, émerveillé par ce petit être humain-là. Pas vieux, tu sais, de 2 ans. C'était un moment mémorable, autant pour moi que Marianne. Ça fesse un peu au cœur de voir ça. Je sais pas comment tu laisses ce travail-là au bureau, t'sais.